Bienvenue chez Vincent et Armel. Ils vous accueillent aujourd'hui dans leur centre d'Ayurveda en région parisienne. Ils vont vous présenter l'automassage ayurvédique. Mais tout d'abord, Vincent va vous présenter brièvement les différents types de massages qui existent dans l'Ayurveda. L'Ayurveda est la médecine traditionnelle de l'Inde. Elle s'intéresse à l'équilibre général de l'individu et à son terrain. En Ayurveda, il y a trois types de déséquilibres principaux. Le déséquilibre Vata, le déséquilibre Pitta et le déséquilibre Kapha. Le déséquilibre Vata correspond à un excès d'air ou de mouvement dans le corps. L'instabilité, le refroidissement, le stress. Le déséquilibre Kapha correspond plus à des énergies d'inertie. Le déséquilibre Pitta correspond à une surchauffe du corps ou des énergies. Les massages sont une partie très importante de cette médecine. En général, ces massages se pratiquent avec des ingrédients. L'Abhyanga est un massage doux de l'ensemble du corps. C'est un massage qui procure une détente profonde, qui lubrifie le corps, qui l'assouplit et qui permet aux énergies de mieux circuler. La particularité de ce massage, c'est qu'il faut utiliser beaucoup d'huile. Les mouvements de ce massage sont doux et enveloppants. Ils procurent détente et sérénité. C'est un massage de bien-être qui s'adresse à tous. Le type de massage est choisi selon le déséquilibre de la personne. Vata, Pitta, Kapha. Nous allons vous présenter différents types de massages pour commencer. Le massage Kansu est un massage avec un bol constitué d'un alliage de 5 métaux. C'est un massage exclusivement du pied. Il se pratique avec du beurre clarifié. C'est un massage qui détend beaucoup le corps et l'esprit. C'est un massage qui permet de réduire la surchauffe du corps et de drainer les énergies vers le bas. Le Shirodhara est également une forme de massage. Il s'agit d'un flux d'huile qui coule sur la tête. Le filet d'huile qui coule sur la tête doit être parfait. Il ne s'agit surtout pas d'un goutte à goutte. Ce filet d'huile donc masse très délicatement, subtilement le front de la personne. Il en résulte une détente profonde du système nerveux. C'est le meilleur soin en cas de stress, d'insomnie ou de confusion mentale. Le Navarakiri est un massage avec des tampons chauds, de riz cuit dans du lait et des plantes. C'est un massage qui s'adresse en particulier aux gens qui souffrent de rhumatisme et de problèmes articulaires. Les tampons utilisés sont très chauds, ils sont trempés dans du lait bouillant avant d'être appliqués sur le corps. Le massage au gant, c'est un massage qui stimule énormément le corps, c'est un massage qui est rapide. C'est un massage plutôt destiné aux personnes trop flegmatiques.
L'Udvartana est un massage avec de la farine. Ce massage est comme un gommage. Il stimule la peau et permet de réduire la couche adipeuse. Le massage avec les pieds s'appelle l'Uzichil. C'est une technique qui vient de la région du Kerala. Ce massage est tonique, puissant. C'est un massage qui s'adresse surtout aux sportifs et aux personnes qui ont une certaine densité physique. Afin de mieux contrôler la pression et les mouvements, le masseur s'appuie sur des barres ou des cordes pour être plus efficace. Dans ce film, vous allez apprendre à pratiquer l'automassage, c'est-à-dire l'abhyanga sur vous-même. Ce massage prend environ une dizaine de minutes. Ensuite, il faut compter 5 minutes, le temps que les huiles pénètrent dans la peau, et vous pourrez prendre après une douche. C'est un massage qui se pratique la peau sèche, donc il est préférable de ne pas prendre de douche avant. Ce massage se pratique dans une pièce calme, chaude et de préférence sans musique, car la musique peut influencer le rythme du massage. La meilleure huile de massage, qui est adaptée à la plupart des cas, c'est l'huile de sésame, ou alors une huile de massage ayurvédique. Si vous prenez de l'huile de sésame noire qui a été grillée, c'est beaucoup trop chaud pour le corps. Si vous ressentez une surchauffe après le massage à cause de l'huile, dans ce cas-là, il sera préférable d'utiliser de l'huile de coco. Pour les personnes qui ont un déséquilibre d'inertie, de phlegme, kapha, il est préférable d'utiliser de l'huile de moutarde. Avant de commencer le massage, il est important de bien chauffer la pièce. Il faut également préparer l'huile. Dans un petit gobelet ou dans une coupelle, on prépare la quantité d'huile suffisante pour faire l'automassage. Cette huile doit être chaude et agréable au toucher. Par contre, il faut éviter qu'elle soit trop brûlante. Le mieux, c'est de tester sa température en trempant le doigt dedans. Le massage commence par la tête. On prend une quantité suffisante d'huile et ensuite on la répartit sur l'ensemble du cuir chevelu. On fait des mouvements circulaires, symétriques de chaque côté du crâne. Pour cela, on utilise toute la main. La pression de la paume et des doigts doit être homogène. Si nous avons les cheveux longs, il faut passer entre les cheveux et aller à la racine des cheveux. Donc on n'hésite pas à mettre suffisamment d'huile pour bien imbiber tout le cuir chevelu. Et il faut passer au moins une trentaine de secondes sur le cuir chevelu. Ensuite, on va faire les oreilles. On reprend de l'huile et on masse donc toute la feuille de chou des oreilles. On n'hésite pas à prendre les oreilles entre le pouce et les autres doigts. Et on insiste bien sur l'ensemble de l'oreille. Ensuite, on va faire des ciseaux, donc il faut s'assurer que la zone soit suffisamment huilée pour que ça glisse bien. On va faire des ciseaux en montant, en descendant, et un mouvement aussi qui va de l'avant en arrière.
Juste sous l'oreille, il y a un point vital qui permet de détendre tout le visage. C'est un point d'où partent les nerfs faciaux. On fait un grand mouvement englobant. Sur les tempes, avec le plat du pouce, on va faire des grands cercles, environ 7. Puis on va faire des cercles en appuyant du bout des doigts sur la pointe des pommettes. Ensuite, on va faire la joue. On utilise toute la paume et on n'hésite pas à déformer la bouche. On huile les moustaches. On fait le menton. On va masser tous les mentons et les mâchoires en allant d'une oreille à l'autre. Le massage du nez. On masse les ailes du nez et on redescend sur le fil du nez. On fait attention de ne pas bloquer la respiration. Le front est une partie très importante. Nous allons masser le front avec l'ensemble de la main, les paumes et les doigts. Il faut couvrir suffisamment de surface et il s'agit de faire un mouvement ample et circulaire qui va d'une tempe à l'autre. On appuie sur les sourcils. On peut appuyer fort et descendre plusieurs fois le long des sourcils. Cela détend la tension et la pression nerveuse. Pour finir le visage, on fait un grand mouvement englobant. Ensuite, c'est la nuque. Avec une main, on met de l'huile et on masse la nuque en montant-descendant le long des cervicales. On n'hésite pas à remonter suffisamment haut dans le cuir chevelu. On peut masser juste un petit peu en arrière et en dessous des oreilles. On appuie bien, fort, ça permet de détendre le cou. Et on ramène les deux mains de l'arrière à l'avant, tout à fait dans l'axe du cou. Ensuite, on va faire les épaules. Donc, les hommes vont commencer à droite, les femmes à gauche. Donc, on va masser l'épaule en allant sous l'oreille et en allant jusque au muscle deltoïde de l'épaule. Donc, c'est un aller-retour. On fait ça un côté, puis on fait l'autre côté. Il faut compter environ une dizaine de mouvements. Reprenez de l'huile. Attrapez l'huile comme si vous aviez une louche avec les doigts. Et de cette façon, ça vous permettra de mettre suffisamment d'huile en une fois. Ensuite, on va faire le thorax. Donc, on fait un mouvement circulaire, symétrique, qui monte d'abord. Donc, environ 10 mouvements en montant. Puis 10 mouvements en descendant. Ce mouvement peut être pratiqué par les hommes et par les femmes. Cependant, chez les femmes, il est préférable que le mouvement soit seulement ascendant, on remonte seulement pour aider la tonicité des seins. On fait les flancs. Ensuite, on va faire le ventre. Donc c'est important de mettre suffisamment d'huile sur le ventre et de bien tourner autour du nombril. Donc le centre de gravité, on va dire, c'est autour du nombril. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est important de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si vous êtes constipé. Par contre, si vous avez la diarrhée, vous pouvez tourner dans le sens contraire. Ensuite, on peut appuyer plus profondément du bout des doigts pour stimuler le côlon. Donc vous respectez encore le mouvement circulaire autour du nombril. On peut insister dans le bas de l'abdomen, la zone de la vessie. Ce mouvement est particulièrement important pour les femmes puisque c'est cette zone-là qui contrôle le cycle menstruel. Chez les hommes aussi, c'est important puisque c'est la zone de la prostate. Reprenez de l'huile. On finit l'avant du tronc en faisant un grand mouvement enveloppant, symétrique. En remontant, puis en descendant. Ensuite, on va étaler de l'huile dans le dos. Et on remonte jusqu'où on peut, sans forcer. Malheureusement, dans l'automassage, la partie du dos est plus frustrante, donc c'est pour ça que nous allons vous proposer une petite séquence comment masser le dos de son partenaire. Donc on peut étaler de l'huile sur le dos, sur les côtés, en haut, en bas, mais ne forcez jamais trop sur vos bras parce que vous risquez de vous froisser ou de déchirer un muscle en voulant masser tout le dos. Donc si on masse son partenaire, on commence par faire des cercles en bas du dos. N'oubliez pas de mettre suffisamment d'huile. Ensuite, on va remonter et descendre le long de la colonne vertébrale. On va ensuite enduire un côté, puis l'autre côté. On va insister dans la zone du bas du dos et remonter plusieurs fois le long de la colonne vertébrale. Le mieux, c'est de se placer ensuite juste derrière votre patient. Vous allez faire les omoplates, des mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez monter et descendre les deux mains parallèles le long de la colonne vertébrale. Vous placez une main de chaque côté de la colonne vertébrale. À la hauteur des reins, faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Remontez le long du dos en faisant des cercles. Et faites un grand mouvement englobant, allant de haut en bas. Voilà. Et on peut insister avec les pouces en appuyant bien de chaque côté de la colonne vertébrale. N'appuyez pas sur la colonne elle-même, appuyez bien de chaque côté de la colonne vertébrale. Et pour finir, on peut faire un mouvement circulaire symétrique avec le pouce. Ensuite, on va faire les membres. Donc, on reprend de l'huile. On commence par étaler l'huile sur les bras. Bras droite pour les hommes, bras gauche pour les femmes. Les énergies féminines sont plus fortes à gauche et les énergies masculines sont plus fortes à droite. Donc, on fait deux allers-retours pour mettre l'huile dessus et dessous le bras. Et ensuite, on va travailler plusieurs plans.
le premier plan qu'on va faire, c'est le plan externe du bras. On commence par deux cercles sur l'épaule. Ensuite, on va faire 5 allers-retours de l'épaule au coude. Puis, deux cercles sur le coude, 5 allers-retours du coude au poignet, deux cercles au poignet, et on va bien jusqu'au bout des doigts. Ensuite, on revient en haut, on va faire le deuxième plan. On fait deux cercles sur l'épaule, 5 allers-retours de l'épaule au coude, deux cercles au niveau du coude, 5 allers-retours du coude au poignet. On va bien jusqu'au bout des doigts. On remonte. On soulève le bras et on va faire le dessous du bras. On masse donc de l'aisselle au coude, 5 allers-retours. Deux cercles sur le coude, 5 allers-retours sur l'avant-bras. Et on va ensuite faire le poignet. On attrape le poignet avec une main, on fait un mouvement circulaire. Et ensuite, on va chercher avec le pouce l'intérieur de la paume de la main. C'est très important d'insister à l'intérieur de la paume de la main, car tout le corps est projeté dans la main et dans la paume de la main. Insistez en particulier au centre de la paume. Ensuite, on va traire les doigts un par un. On va commencer par le pouce, puis l'index, le majeur, l'annulaire. L'auriculaire. Il est important de bien insister sur les articulations de chaque doigt. On frotte un petit peu les mains. On fait deux allers-retours sur l'ensemble du bras pour finir. Le deuxième bras, on va procéder de la même façon. On commence par enduire le bras d'huile. Prenez surtout suffisamment d'huile, il faut que ça glisse bien. Ensuite, on va commencer le premier plan, le plan extérieur. On commence par deux cercles sur l'épaule. On fait 5 allers-retours de l'épaule au coude. Deux cercles sur le coude, 5 allers-retours du coude au poignet. On va bien jusqu'au bout du bras. Ensuite, on va prendre le plan du dessus du bras. On va faire deux cercles sur l'épaule, 5 allers-retours allant de l'épaule au coude, puis deux cercles sur le coude, 5 allers-retours du coude au poignet, deux cercles sur le poignet. On va bien jusqu'au bout des doigts. On reprend en dessous du bras, on soulève un petit peu le bras, 5 allers-retours de l'aisselle au coude, 2 cercles sur le coude, 5 allers-retours du coude au poignet, 2 cercles au niveau du poignet, on va bien jusqu'au bout des doigts. On fait ensuite le poignet, bien circulaire le poignet. Ensuite, avec le pouce, on va bien masser l'intérieur de la paume. On insiste bien. N'hésitez pas à mettre suffisamment de pression à l'intérieur de la paume.
puis les doigts. On commence toujours par traire le pouce, puis chaque doigt. On insiste bien sur les articulations des doigts, on les tire un petit peu. Ensuite, on se frotte les mains, dessus, dessous, et vous finissez par deux allers-retours sur l'ensemble du bras. Après les bras, les jambes. On commence par enduire les jambes d'huile. Il faut s'y prendre plusieurs fois puisque les jambes représentent plus de surface. Donc on étale bien l'huile. Ensuite, on fait des grands allers-retours de l'ensemble de la jambe. Donc on part de la cuisse et on va jusqu'au bout du pied, on revient. On le fait plusieurs fois jusqu'à ce que la jambe soit bien enduite et que ça glisse bien. Les premiers plans sont les plans des côtés. C'est-à-dire il y a une main qui va masser à l'intérieur de la jambe et l'autre l'extérieur de la jambe. On commence par deux cercles sur la fesse avec la main extérieure, puis 5 allers-retours le long de la cuisse, 2 cercles sur le genou, 5 allers-retours du genou à la cheville, 2 cercles au niveau de la cheville et on va bien jusqu'au bout du pied. On remonte et on recommence. 2 cercles au niveau de la fesse, 5 allers-retours sur la cuisse, 2 cercles sur le genou, 5 allers-retours sur le bas de la jambe, 2 cercles au niveau de la cheville. On va bien jusqu'au bout du pied. Ensuite, on va faire dessus-dessous, une main qui vient dessus, une main qui se place dessous, 5 allers-retours sur la cuisse, 2 cercles sur le genou, 5 allers-retours du genou à la cheville, 2 cercles sur la cheville, on va bien jusqu'au bout du pied, et on va recommencer exactement le même enchaînement une deuxième fois, 5 allers-retours sur la cuisse, 2 cercles sur le genou, 5 allers-retours bas de la jambe, 2 cercles sur la cheville, on va bien jusqu'au bout, ensuite on revient sur le genou et on va faire des mouvements circulaires sur le genou, 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre, on enveloppe bien le genou et on reste bien dans l'axe du genou, c'est important aussi de bien placer les doigts sous le genou, parce que c'est la zone sous le genou qui est la plus sensible au massage. Ensuite, on va sur la cheville, on va procéder de la même façon, on va faire des cercles. On peut tourner 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre sens. Suivez l'image. 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre sens. Ensuite, on va attraper le talon. Donc pour cela, il faut soulever un petit peu la jambe, le pied, on attrape bien le talon et on essaye de presser le talon comme si on voulait faire sortir une patte du talon. Donc on presse bien le talon plusieurs fois avec entre le pouce et les autres doigts. Ensuite, on va faire le tendon d'Achille. On va utiliser le pouce et l'index replié. On fait un mouvement montant-descendant, même pression en montée et en descendant, à peu près une dizaine de fois.
on saisit les orteils, on fait des mouvements sur les orteils, comme l'image. On commence bien sûr par le pouce, puis on passe aux orteils plus fins. On finit par le petit orteil. On insiste bien sur les orteils. Si vous êtes chatouilleux, n'hésitez pas à appuyer plus fort. Comme ça, vous n'aurez pas la sensation désagréable. Vous pouvez passer aussi le pouce entre chaque orteil. C'est agréable et c'est très stimulant. La partie la plus importante, c'est la plante du pied. On bloque le pied avec une main qui sert de contre-appui, et avec l'autre main, on fait toute la plante du pied. C'est un mouvement ovale, circulaire, qui est très englobant. Il faut vraiment couvrir tout le pied. Et ce mouvement est à faire vraiment suffisamment longtemps. Il faut faire au moins une trentaine de cercles sur le pied, sur la plante du pied. Prenez votre temps, respirez profondément quand vous faites la plante du pied. On enchaîne avec les tranches. On va masser chaque côté du pied. Donc on commence par prendre les deux tranches en même temps, en faisant une pince avec le pouce et les autres doigts. On va faire 10 allers-retours, montant, descendant. Même pression en montant et en descendant. 10 allers-retours seulement sur la tranche interne du pied, 10 allers-retours sur la tranche externe du pied. Voilà, ensuite on fait un mouvement qui masse le dessus et le dessous du pied. On le fait quelques fois, on fait quelques mouvements, et puis on fait 2 allers-retours sur l'ensemble de la jambe huilée, et on finit en serrant bien le pied. Le fait de bien serrer à la fin le pied laisse une sensation de présence. On va procéder de la même façon sur l'autre jambe. On commence par enduire la jambe avec de l'huile. N'hésitez pas à mettre suffisamment d'huile. N'hésitez pas à reprendre de l'huile si c'est nécessaire. Allez à votre rythme. C'est une petite gymnastique. Ça va vous assouplir le dos au passage. Et on commence les côtés, comme tout à l'heure. 2 cercles sur la fesse, 5 allers-retours, 2 cercles sur le genou, 5 allers-retours, prenez votre temps, 2 cercles sur la cheville, on va jusqu'au bout du pied, et on recommence exactement le même enchaînement. Ensuite, on va faire dessus-dessous, une main dessus, une main dessous, ensemble, 5 allers-retours sur la cuisse, 2 cercles sur le genou, 5 allers-retours, 2 cercles sur les chevilles, on va bien jusqu'au bout du pied, on recommence une deuxième fois. Vous pouvez masser selon votre gré avec une pression légère, moyenne, ou forte. On revient sur les genoux. On va faire 4 fois dans un sens sur les genoux, 4 fois dans l'autre sens. Toujours rester bien dans l'axe du genou pour pas déséquilibrer la rotule. 4 fois dans un sens, encore 4 fois dans l'autre sens. Vous redescendez jusqu'à la cheville.
Encore des mouvements circulaires. 4 fois dans un sens. 4 fois dans l'autre sens. Encore 4 fois dans un sens. Encore 4 fois dans l'autre sens. On va faire le talon. On soulève le pied pour cela. Serrez bien au niveau du talon. C'est une zone qui demande de la force. Ensuite, on va faire le tendon d'Achille. La zone est un petit peu plus délicate. Vous faites 10 allers-retours sur le tendon d'Achille. C'est à vous de juger de la pression qui vous est nécessaire. On passe aux orteils. On insiste bien sur chaque orteil. Et on peut même passer le pouce entre les orteils. N'oubliez pas de respirer profondément si vous êtes chatouilleux. Et vous pouvez même expirer par la bouche. L'expire par la bouche vous permettra de mieux lâcher les tensions. La plante du pied. C'est la partie la plus importante. Au moins une trentaine de cercles. On englobe le mieux possible. Et toujours une main en contre-appui. Pour pas que le pied se balade. Pour pas que le pied bouge trop. On attrape les orteils et on fait les deux tranches. La tranche intérieure et extérieure en même temps, une dizaine d'allers-retours. Puis on fait la tranche intérieure une dizaine de fois, la tranche extérieure une dizaine de fois. On a presque fini le pied, on fait le dessus et le dessous du pied. Puis quelques allers-retours sur l'ensemble de la jambe avant de serrer le pied pour laisser une sensation de présence. Le massage est fini. Il faut maintenant profiter de l'état de détente. Je vous invite à rester tranquille, à vous rester assis, à fermer les yeux. Ressentez maintenant l'effet de l'huile sur le corps, l'effet de l'enchaînement que vous venez de pratiquer. Un état de détente et méditatif va s'installer automatiquement. Si vous voulez bien, je vous invite à faire plusieurs ohms. Nous allons prendre une inspiration profonde à partir du ventre. Restez dans le silence le temps que vous souhaitez. Ça y est, le massage est fini. Attendez encore 5 à 10 minutes et puis vous pouvez prendre une douche. Et surtout une douche chaude pour retirer l'excédent d'huile. Vous allez voir, après ce massage et cette douche, la journée vous semblera très agréable et vous pourrez bien en profiter. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye
Amotakalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanataya Shri Mahavishnave Nama Chankam Chakram Jalokam Datam Tragatam Shatobi Shatobi Sukshmasvachatirudyam Shokaparvyasam Maulimam Bhujanetam Kalam Buddha Ujjalangam Katitatavyasa Charupitam Baladam Vandedam Vantarintam Nikilagadavana Praudadavagninilam Devendradatya Vidyam Sakalatanutam Sanukampam Tampantam Shishyam Agnivesham Digasumetimatam Shaktamadipayantam Ayurvedasya Kayagam Yasagamakam Kyapyantam Vishesha Atreyam Vedyavandam Bhuvimalamatim Naumitam Vedyavandam Yogena Shittasya Padam Vacham Malam Sharasya Chaujakena Yopakarutam Prabharamuninam Patanjali Pranjulimam Tosam Aham Hidam Vantaviradi Devo Jadaruja Mutuharu Madanam Shalyam Gaya Pare Rupitam Pratusmigam Vyupadishtum Agadi Rogan Sadatanu Shaktam Ashishakaya Prasudam Ashisham Otsukimha Aditan Jagan Yopurva Vedyaya Namastu Tasme Omkaram Vinda Sayuktam Nityan Dayanti Yugina Kamalam Mokshadam Chayva Omkaraya Brahmanandam Paramasugadam Kevalam Dhyanmurtim Dvavatitam Kansadusham Matsyalilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvahi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunaitam Sadguru Tanma Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaram Guru Satchat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Om Shri Dhanvantraye Namaha Om Shri Shri Dhanvantraye Namaha Om Shri Dhanvantraye Namaha